Petite remise en place dans N'oubliez pas les paroles. Lundi 21 mars, Nagui était aux commandes d'un nouvel épisode de son émission musicale sur France 2. L'occasion pour lui d'accueillir un nouveau maestro, Damien, qui a ainsi détrôné Julien. Ce dernier, qui a appelé ses poules Lara Fabian et Catherine Lara, est reparti avec 23 000 euros, avant de céder sa place à son successeur. Et Damien n'a pas tardé à entrer dans la compétition tête baissée, dans l'espoir de repartir lui aussi avec une jolie somme. Pour cela, il a choisi comme première chanson solo Amoureux fou de Herbert Léonard, avec un peu d'idée de la part de Magali Ripoll. Très investi dans N'oubliez pas les paroles, la chanteuse a ainsi donné les premières notes de ce tube à Damien, en donnant de la voix. Alors qu'elle entonnait les paroles sentir son regard sur moi, voilà qu'elle a voulu imiter Herbert Léonard, avant d'être rappelée à l'ordre par Nagui, qui a récemment rendu hommage à Annie Cordy. Et, calme-toi, calme-toi, lui a-t-il ainsi demandé. Pas déstabilisée pour autant, Magali Ripoll lui a rappelé que si esti comme ça dans la chanson pour justifier ce petit élan vocal. Qu'elle n'a pas tardé à répéter quelques minutes plus tard, avant que Nagui ne lance la deuxième partie de l'émission, en le dédicaçant spécialement à l'animateur. Nagui charrie ses musiciens qui lui rendent bien très attentif au travail de ses musiciens en plateau. Nagui n'hésite pas, à l'occasion, à les charrier un peu, ce que certains lui rendent bien comme Magali Ripoll, lorsqu'il se trompe dans les paroles ou les accords, pousse un peu trop la voix, ou encore, lorsqu'ils ont un petit souci technique. Comme ce fut le cas, quelques jours plus tôt, de Christian, qui a eu un petit souci avec son instrument. Alors, Christian a carrément fait péter une corde de sa guitare. Au moment où nous prenons l'antenne, il est en train de se précipiter pour un changement au stand de cordes de guitare, avait ainsi annoncé l'animateur. Loading widget.